Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Evrima. Il y a eu une mise à jour, si c'est pas incroyable, il y a eu une mise à jour, et oui, où il y a eu ajout de deux nouveaux dinosaures, le Pteranodon et le Deinosuchus crocodile tant attendu, et le Pteranodon aussi. Ça va être vachement bien de pouvoir voir la carte dans son intégralité et tout, donc je vais jouer ça. Et aussi, j'en avais pas parlé la dernière fois, mais il y a ça qui a été ajouté, ça fait longtemps, hein, où on peut trier les serveurs par nombre de joueurs, par ping et par nom, donc c'est quand même pas mal. C'est un petit ajout, mais c'est un ajout qui est sympathique. Donc, évidemment, qui dit mise à jour dit serveur plein, on va laisser ça et on va y aller tout simplement. Deinosuchus, Deinosuchus, enfin quoi. Pteranodon, je l'ai pas vu. Ah ouais, mais direct, on va prendre un mâle, il peut être un peu plus coloré. On va y aller, point d'interrogation, on peut pas. Ok, on prend le pté, on va là, on s'en fout, et on va commencer direct. Je suis vraiment vachement hypé par ça. Alors, bah, j'ai l'air tout petit, hein. J'ai un vraiment tout petit. Ok. Alors, comment on fait pour voler? Comment on fait pour voler? Allez. Je crame toute ma stam. Est-ce que je peux pas voler? Parce que je suis petit? Ne dis pas ça, par contre. Non. Ne dis pas ça, hein. Ne me dis pas ça. Ne dis pas ça. Je sais pas si vous l'avez la ref. C'est très pointu. Hein. C'est Lu Meng qui dit ça à Tai Chi Si avant la bataille de Yifei dans Dynasty Warriors 3. Voilà. Parce que Tai Chi Si se dit ouais, je vais crever et tout. Et du coup, Lu Meng il lui dit ne dis pas ça. Voilà, tout simplement. Bon, comment on fait pour voler? Ce serait intéressant. Alors, je fais. On va se remettre un peu les idées en place. 2,5 kg. Pas beaucoup tout ça. Hein. Speed max 10 km/h. Bite force 7 newtons. Je suis pas une caïd quoi. Alors je ressemble à, bah, franchement, ouais, un petit ptérodactyle. Hein. Petit pteranodon, excusez-moi. Et les cris, qu'est-ce que ça donne? Ok. Ok. Pas mal, hein. Pas mal. Ok. Sympathique, sympathique. Et par contre, il va vraiment falloir apprendre à voler. Hein. What the fuck shit. Moi, je peux pas voler. Parce que peut-être que c'est parce que je suis petit, je sais pas. Ou alors, peut-être parce que je suis con aussi, je sais pas. Ok, peut-être en restant appuyé du coup. Oh oui. J'ai plus de stam. What. Attends, mais j'ai cramé toute ma stam juste pour décoller là. Bon, il est un peu... What? Je me suis écrasé le front. Ça fait quoi si je me couche? Je peux me coucher? Ouais, je peux me coucher. Ah, franchement, hey, ça fait du bien de la nouveauté, de la découverte dans The Isle. Ça fait vraiment du bien, c'est kiffant. Vraiment, c'est kiffant. J'espère que vous kiffez aussi, hein. J'espère que vous kiffez. Je regarde un peu mon moniteur à côté. Mais ouais, du coup, ça fait vraiment du bien, un peu de nouveauté, là. Maintenant, faut juste découvrir un peu. Je croyais avoir compris qu'il n'y avait pas le système de growth pour ces dinosaures. Mais en fait, il y est, visiblement. Par contre, vraiment, je crois que je fais un problème. J'ai un problème. Je crame toute ma stam juste pour m'envoler, quoi. Du coup, je peux juste planer après. J'aimerais bien essayer d'aller un peu plus haut, mais... Je sais pas, il y a un truc que je ne comprends pas. Je vous le dis. Bon, je pense que je vais essayer de faire un truc propre. Donc, on va essayer de gros... Je sais pas du tout combien de temps il met à grow. Doit pas être très très long en soi. C'est un petit truc quand même. J'aimerais bien rencontrer des Deinosuchus. On fera une vidéo avec des Deinosuchus évidemment. Mais moi j'avais vraiment envie de tester le Pteranodon. C'est vraiment le truc. Le meilleur truc à tester en fait. Genre là, pourquoi il décolle pas? Parce que je suis petit? Je crame toute ma stam pour rien. Oh mais what the fuck? Bon écoutez, j'ai vraiment un souci. J'ai vraiment un gros souci pour décoller. Je sais pas. Je pense qu'on va essayer de gros un peu. Hein. Oh, ça va quand même très vite. Hein. J'ai gros de 18% en combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes que je joue. 18% en 10 minutes, ça va. Je pense que le gros va pas être très 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 long. Oh! Regardez, j'ai utilisé que ça de stam. Est-ce qu'on peut monter? Ah oui! Ah yes! C'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais voir l'île à quoi elle ressemble, enfin. Ouais, je pense que c'est juste parce que j'étais trop petit. Par contre, ça consomme énormément de stam de voler. Et du coup, on peut voir à quoi ressemble l'île. Et là, ça, c'est vraiment top. C'est vraiment pour ça, moi, que je voulais un volant depuis le début dans The Isle. Hein, genre, pas que forcément Evrima. On peut accélérer? Ouais, on peut accélérer. Pas trop, hein. Quoi si je rappuie sur espace pendant que je vole?
Pas trop, hein. Après, on voit pas grand chose en vrai. C'est pas giga bien modélisé comme ça de loin. Hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Je dis la vérité. Hein. Pas non plus. Moi, j'ai plus de stam là. Du coup, ça fait quoi quand on a plus de stam? On va essayer de te ratterrir calmement. Il y a eu des cris par là, là. En vrai, c'est trop bien d'avoir un volant. C'est super bien. Par contre, il commence à faire vachement nuit là. J'ai envie de rester dans la plaine. Et je pense que ouais, là. Ouais, je vais super vite là, non? Et là, je me suis écrasé. Je vais perdre ma vie. Là, j'ai pas tenté de sentir aussi. Il va falloir que je mange un coup, je pense. La peur venue du ciel. Mes amis, c'est trop. Vraiment, c'est trop kiffant. C'est trop kiffant. Ah, il va y avoir des Deinos ici, c'est sûr. Pour moi, j'ai plus de stam en vrai. Ça peut être très dangereux cette histoire. 100%, il va y avoir des Deinos partout. Là, il y en a un là. Regardez-le. Aïe. Petit problème d'atterrissage. Yo. Elle me tue pas. Hein. Oh. Gros, tu feras gaffe, il y a un Deinosuchus. Il est là. Ah, mais vous y voyez rien. Bigre. Coucou. Vas-y, sois gentil, frérot. Il est beau. En vrai, il est beau, hein. Non, mais n'aie pas peur de moi. Tu as peur de moi? Il a l'air super rapide dans l'eau. C'est abusé, hein. Allez, on va drink un peu. On va drink un coup. Hold E. Donc, c'est vrai qu'il faut hold. Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. Les animations et tout. Vraiment, voilà. Il y a ça. C'est sur les dinosaures. Ils sont quand même... Ils sont quand même vraiment très forts. Non, hey, fais pas ça. Tu t'es fait mal, t'as des balafres. What? Eh, hey, hey, me mets pas dans la merde. Moi, je suis gentil. Alors, comment tu fais pour décoller, toi? T'arrives pas non plus, hein. On est d'accord, là, t'es en train de cramer toute ta stam, mais... Ça marche pas. Hey! Salut les bros! Hey, vous vous comportez tranquillement. What? Il a pêché un poisson? C'est vrai? Vas-y, hey, donne-moi-le. Ah, donne-moi-le. Donne le poisson! Merci, Dino. T'es gentil, mais je peux pas le bouffer ton poisson. Ok, si je fais ça. Ah oui, j'ai réussi à décoller. Vous voyez? Ouah, ça va tellement vite. Attendez, je vais faire comme vous. Ouah, j'ai vraiment un problème. J'ai vraiment un problème pour atterrir. Ça me fume. Et la croissance aussi, c'est, je sais pas si vous captez, elle se fait toute seule, linéaire, il n'y a pas besoin de cliquer sur growth et tout, c'est vachement propre. Je suis à combien de pourcents? Je suis à 50% de growth. Mais par contre, vraiment. E to Wallow. Ça veut dire quoi Wallow? Ben, j'ai envie de pêcher moi aussi. Hein. Je suis vraiment une merde avec ce dinosaure. Hein. Ah, il s'est gragé aussi. Ça me bute. Ça me bute. Il y a tout le monde qui s'écrase pour atterrir. Ça me tue. Attends, si tu as des problèmes pour atterrir, je sais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Moi, je sais pas chasser non plus, gros. Donc, bon. Enfin, je sais boire. Ça, je sais le faire. Et aussi, ce qui est bien en comparaison à The Legacy, je trouve, dans Everima, c'est qu'il fait pas nuit. Il fait pas de nuit noire. Bon, bref, on va essayer de chasser un truc. Alors, comment on fait? Mais ouais, mais je me crache dans l'eau à chaque fois. J'arrive pas, hein. Est-ce qu'il paraît on peut prendre du poisson, les amis? Mais comment on fait? Comment on fait, gros? T'es mignon, toi,
Yo le Deino, ce pauvre. Non! Tu es sérieux? Il a attrapé! Il a attrapé le Stego, non! Enfoiré! Enfoiré! Il a tué! Il fait le rouleau de la mort! Eh, hey, hey, gentil, gentil! Non? Non, mais tiens, enfoiré! Mais non, mais on était potes depuis tout à l'heure! Je suis pas mort encore, hein. Je peux m'en sortir. Alors, est-ce qu'on peut voler direct? Maintenant que je sais un peu plus. Ah, bah oui, en fait, on peut. Hein. Y a pas de question de juvénile, pas juvénile. Non, c'est juste que je savais pas le faire. Ok, my bad. Autant pour moi, my bad, autant pour moi. Allez, on va essayer d'atterrir. Regardez ça. Voilà, c'est ça qui m'a donné la force d'atterrir. Oh, il y en a plein qui vont pas être contents là. Ouh là là là. Ok, bon, on reprend. 20% de growth, je me suis fait bouffer par un sarco. C'est pas grave, je l'ai pas enregistré. J'ai repris, et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une espèce de faille, comme ça. Et du coup, c'est ce que je vous disais, la map est trop grande. C'est dommage parce que ce coin là, j'ai à peine de le découvrir quand je marchais. Quand je volais plutôt. Hop. Oh putain. What. Quelques soucis encore pour voler. Mais ouais, du coup, je vous disais, c'est dommage parce que voilà, il y a des coins comme ça, un peu particuliers, un peu spéciaux, et franchement, magnifique. Vraiment magnifique coin, je savais absolument pas que ça existait. C'est dommage, vraiment, la map mériterait d'être plus petite. Et merde, non mais vraiment, faut que je fasse un effort. Hein. Et regardez, il y a des petites crevasses, des petites... Ah, on peut pas y aller, non, c'est dommage. Mais ouais, regardez comme c'est beau cet endroit, vraiment. C'est incroyable. Là, mon objectif, c'est de découvrir un endroit, genre un spot à ptéranodons. Genre, il y a des rochers, un lac en dessous, un truc comme ça, tu vois. Où, en gros, les ptéras peuvent se mettre en haut des rochers, sans prendre de risques, et nidifier, tranquille et tout, ça peut être vraiment pas mal. J'aimerais bien tester la chasse aussi, mais je pense que c'est pas du tout un dinosaure pour attaquer les autres, parce que, il va être très léger, il va avoir très peu de bite force, donc, tout ça, mis ensemble, ça veut dire très peu de dégâts, tout simplement. Donc, ouais, je pense que le ptéra sera juste un charognard, en soi, pas un chasseur. En tout cas, vraiment, là, premier ressenti, ça commence à faire un petit moment que je joue, mais c'est vraiment super agréable de jouer ce dinosaure. Il est dynamique, il est rapide, il est sympa, il répond bien et tout. Il est vraiment cool, vraiment, vraiment super cool, je suis trop content. Après, voilà, il faut le découvrir un peu plus, voir si on peut se poser en haut des arbres, je sais pas, voir si il y a des coins, des spots. Bah, on va aller là-bas, là, sur cette montagne, c'est où? On peut sentir quand on est en l'air. Voir s'il y a des spots qui sont un peu plus adaptés. Parce qu'en soi, des plaines, c'est peut-être pas le délire. Hein. Donc c'est au nord, hein. On va aller au nord. Ensuite, on peut tout lâcher et ils volent tout seuls. Hein. Regardez, voilà, là je pilote pas. Ils volent tout seuls. Donc c'est quand même assez intéressant. On le dirige avec les touches directionnelles. ZQSD. Là, tac. Voilà. Ah, pour monter, on regarde en l'air. Je vais pas le faire parce que ça va cramer toute ma stam. Et pour descendre, on regarde en bas. Tout simplement. Donc il est vraiment très intéressant ce dinosaure, ça va devenir un ami. Vraiment un ami. Il y a quoi là? Attendez, mais c'est quoi ce délire? Il y a des constructions humaines? Un barrage? Mais what, je l'avais jamais vu. On découvre plein de trucs. Il y a une grotte, il y a un truc là. Ouais, je vous dis, c'est super bien d'avoir un volant, on peut enfin découvrir la map. Moi c'était vraiment un truc que j'attendais clairement sur Everymap parce que... Franchement, la map, je l'aimais pas en fait. Je vous le dis, je l'aimais pas parce que j'étais coincé dans la jungle en permanence et je pouvais absolument pas voir comment elle était faite quoi. Et vu que j'y jouais pas très longtemps à chaque fois, je pouvais pas la découvrir à pied, tout simplement. Donc c'est vraiment très bien d'avoir un volant. Ça nous permet clairement de découvrir un peu cette map. Et là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est tout simplement atterrir, régénérer ma stam. Boire un coup, mais après j'irai là-haut. Et faudrait que j'arrive à chasser. Hein. Mais du coup, c'est un peu dangereux cette histoire. Hein. Un peu dangereux, hein. Avec les crocodiles là maintenant. Bon, on a atterri, hein. C'est bon, ça passe. Alors là, vous allez voir ma stam, elle va fondre comme neige au soleil. Hein. Regardez ça. Paf! Là pour monter, il a du mal. Hein. La gravité, ça lui fait vraiment beaucoup de mal à la stam. Je pense en tant qu'adulte ça ira au moins ça là. Oh putain, oh j'ai eu chaud.
Ah, j'ai eu chaud, j'aurais pu me casser la gueule et mourir là. Mais là, vous voyez, c'est clairement un spot Aptera, c'est trop bien. C'est trop... Vraiment, regardez, vraiment, je suis content. Je suis content de ce rail. C'est trop bien, regardez ça, quoi. C'est magnifique. On a de l'eau en dessous pour pêcher. On a ici, on peut faire un petit nid, je pense. C'est magnifique. On va aller tout en haut, en haut. Et non, mais vraiment, tout en haut, c'est un coin Aptera. Personne peut monter à part les Aptera. Clairement. Ouais, par contre, ça l'agouille un peu. Personne peut monter ici à part les Aptera, en fait. Je suis trop content. Ah, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Je me sens libre dans le jeu. Ouais, j'ai craché tout tellement j'en bave. Je me sens tellement libre dans le jeu, tellement... C'est tellement agréable. Là, regardez, il y a un autre rocher devant. On va aller voir tous les rochers, on va aller voir tous les spots du monde. Et puis voilà, c'est ça. Moi, ça me met une hype parce que vraiment, je découvre enfin Evrima. Enfin, quoi. On va essayer d'atterrir proprement. Ça, par contre, il y a vraiment un souci. Hein. Regardez, pareil. Spot à Aptera. J'ai dit Quetzalt alors. Spot à Aptera, quoi. What? Vol? Tu fais quoi? T'es malade. Et du coup, ça prend encore moins de stam si on se jette d'un rocher, ce qui est logique. Hein. C'est vraiment super bien. Regardez cette plaine, elle est incroyable. Vraiment, là, je suis trop content. Je suis trop content du jeu. C'est juste super bien ce qu'ils ont fait, quoi. Pour une fois que je lance ce jeu et que je suis pas déçu, c'est quand même quelque chose, faut le noter, quoi. Mais moi, je suis très content. Petit problème de texture ici. Hein. Donc, dis, réparer tout ça. Ah, Dondi, c'est quoi ce bordel? Je fais un compliment, du coup tu permets de faire des bugs? Des problèmes de texture? Dondi, regardez comme c'est beau, mais regardez ça quoi, c'est magnifique. C'est incroyable, bordel de cul quoi. On va voler comme ça, le soleil couchant. Magnifique, regardez ça. C'est incroyable. Hein. En vrai c'est super beau quoi. On va retourner là quand même. Mais c'est vraiment super beau. Hein. Regardez ça, c'est... Waouh. Quelles belles images. Et j'ai réussi à atterrir comme ça sans regarder. Je suis un monstre. Tout simplement. Paf. Voilà. Allez, on se pose là. Je pense qu'on va passer la nuit. Je vais essayer de trouver à bouffer, clairement, parce que ça va clairement dégénérer. C'est sûr que je vais mourir. Ah, il y en a un là. Toi, t'es mort. Mais, wesh. Mais pourquoi tu... Ah, t'es foutu. Ah, yes, vite. Vite. Pourquoi je peux pas le manger? Vite. Oh, yes. Oh, tu me refais, toi. Désolé, gros, mais... C'était un bébé de terrain, je sais pas si vous l'avez vu. Mais j'étais obligé, quoi. T'es en train de mourir de faim. Bah, vraiment, va falloir que j'apprenne à chasser, hein, pour de vrai. C'est catastrophique. Ça va venir avec le temps, j'ai juste pas la technique en fait. Ah non, mais là, ça fait vraiment trop plaisir. Ah ouais, je vais te grailler un entier quoi, j'avais plus rien à bouffer. Mais par contre, il tient vachement longtemps. Il tient vraiment vachement longtemps, ça bouffe. Bah, toute la prog, je crois que la prog elle met une heure à peu près, pas plus. Donc ça va, c'est pas énorme. Une heure pour avoir franchement un très bon gameplay. C'est fini là? Sérieux? J'ai bouffé un terrain entier? Mais what? T'es sérieux là? Là j'ai rien eu là. Comment on fait en fait? Et je suis tombé dans l'eau quoi. Vraiment j'arrive pas à contrôler. J'ai de nouveau avoir la dalle en plus, c'est terrible. Bah, je vais essayer de remonter là-haut, on va voir ce que ça donne hein, quand on est plus adulte. On va y arriver plus facilement, je pense. Allez, on va aller là-haut. On va prendre un peu l'altitude de cet endroit vraiment magnifique. C'est incroyable cet endroit-là. Vraiment, c'est ouf. Regardez ça, quoi. Mais regardez ça. Bon, j'ai toujours mon problème de bouffe. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on trouvera la solution un peu plus tard, je pense. Parce que là, pour l'instant, bah, c'est la galère. Hein. C'est la galère, tout simplement. Donc bon, on va pas forcer, on n'y arrive pas. On va certainement mourir.
Donc c'est pas grave. Je vais me poser là en douceur. C'est pas beau. Si c'est pas beau ça. Et c'est la fin de la vidéo. Et oui, c'est terminé. Il faut une fin à tout. Et vraiment, je vous dis, j'ai énormément kiffé le pteranodon. Petit problème, pour trouver à bouffer et chasser tout seul. Bah, il faut trouver la solution. Je sais pas comment on fait. Il y a écrit que c'est difficile dans le patch note. Donc oui, c'est difficile. Vous avez tout à fait raison, mes chers développeurs Dondi et tous tes potes. Bref, la vidéo est terminée. Le petit pouce bleu, la petite cloche, le petit abonnement, hein, ça soutient, ça aide la chaîne à se développer, donc n'hésitez pas à le faire, et faites-le même, c'est beaucoup mieux. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est... Tchuss tout le monde.